toute la semaine, c'est Jean-Louis Zanin, le chef des Fines Herbes à Épinal, qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. Alors après le gazpacho de tomates, qu'est-ce que tu nous proposes, Jean-Louis ? Eh bien là, donc, on va faire un tartare de thon. D'accord. Donc on reste dans une recette fraîcheur estivale. Voilà, ben, c'est l'esprit. Hein. Donc si tu veux, là, on fait un tartare un tartare de thon. D'accord. On assaisonne avec une sauce vierge. Donc la sauce vierge, on la compose avec des légumes taillés en fines brunoises. Cru, bien sûr. Alors, il va falloir qu'on retrouve un peu de croquant aussi. Hein. Donc, on les coupe assez fins et petits. Voilà, hein. Fins et réguliers surtout. Oui. Donc, la concombre, et tu vas mettre quoi également ? Là, je vois des olives noires, des tomates séchées. Voilà, donc du c'est céleri, du tomates petit séchées, oignon. Céleri, piquillo et oignon nouveau. Hein, voilà. Donc, ça, c'est on bon. On réunit tout ça. Là, on est sur une recette minute. Donc, ce qu'on peut faire, c'est préparer et couper. Oui. Tout en amont, à savoir... La sauce vierge, il faut la préparer d'avance. C'est ça. Et après, au dernier moment, on fait l'assaisonnement avec le, voilà, le avec thon. Le thon, qu'on va couper en petits cubes fins. La même chose. Oui, on est vraiment sur le tartare au couteau. Ah oui, oui, absolument. Donc là, céleri, pareil, que tu vas couper. C'est toujours le même assaisonnement quand tu fais cette recette de... Non, sur une sauce vierge. Là, enfin, c'est particulier à cette recette. Hein. On peut très bien faire un tartare uniquement assaisonné avec huile d'olive, jus de citron, etc. Mais là, si tu veux, ce que l'on ajoute, c'est tous ces petits légumes en plus. Oui, qui vont permettre d'avoir de la mâche. Oui, qui de la mâche, du croquant. Est-ce que tu connais la différence entre un tartare et un ceviche ? Alors, je te dirais que le ceviche, il va avoir une forme de cuisson avec les agrumes, le citron. D'accord. C'est ça la différence. Très bien. Alors que bien. Le tartare, on est vraiment sur une formule qui est crue. Très bien. Alors là, tu me surprends, tu vois. Je dis, ça, c'est des appellations récentes. Hein. Moi, quoi, le ceviche ? Ah ouais, c'est de la cuisine régionale. Donc maintenant, comme tout s'internationalise... C'est vrai. Effectivement, on commence à parler de ceviche, on commence à parler de choses... Même les gazpacho et tout ça, c'est des choses qui sont quand même pas si nouvelles, finalement. Pas si récentes, tu vois. Ah, donc tu parles dans la cuisine française. Oui, parce qu'on a adapté des choses qui venaient de... Ah ben, c'est ce qui est d'ailleurs, je trouve, super intéressant dans la cuisine. Oui. Bon, c'est qu'aujourd'hui... On s'inspire de cuisine internationale. Tu t'inspires, exactement, et tu te réappropries les choses et tu les retravailles avec tes produits dans ta localité. Donc là, on a tout coupé. Il y a nos concombres, notre oignon nouveau, oui. nos olives, la tomate séchée, céleri. Et les céleris et le poivron piquillo. D'accord. Voilà. Donc. Maintenant, on va ajouter de l'huile de pépins de raisin, oui. Le soja, la sauce soja, oui. et le vinaigre balsamique. Hein, voilà. Et en dernier, on rajoutera un peu d'huile d'olive et des herbes. Voilà. Donc je te laisse faire. Par notre vinaigre balsamique. Mm-hmm. Donc là, c'est au feeling. Voilà, c'est au feeling. Hein. C'est une question d'assaisonnement. Après, il sera toujours temps d'en rajouter, si on juge qu'il n'y en a pas assez. Donc la sauce soja. Sauce soja qui va nous apporter le côté salé. Sauce soja salée. Salée, bien sûr, oui. Ensuite de l'huile de pépins de raisin, qui est une huile à peu près neutre. Et c'est voulu, ce côté neutre. Hein. Oui, absolument. Et on termine avec un peu d'huile d'olive. D'accord. Donc un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. Tu mélanges le tout. Je mélange le tout. À ça, je vais rajouter un peu de ciboulette. Oui, donc de la ciboulette que tu as... Que j'ai ciselée. Hachée. Et du persil haché. Et du persil. Voilà. Donc, tu n'as pas assaisonné avec du sel volontairement. Il n'y a pas besoin, hein, puisqu'on a la sauce soja. C'est ça. Hein. J'imagine qu'avec la sauce soja, c'est bon. Il y a suffisamment de sel. Hein. Donc là, la sauce vierge, elle est terminée ? Elle est terminée. On réserve et on s'occupe du tartare ? Voilà. Maintenant, on va... enlever la peau de la longe de thon, oui. Et couper notre tartare. Donc pareil, en termes de coupe, tu vas tailler des voilà. Petits... c'est pas haché. Façon quoi, c'est brunoise. Oui, c'est des gros dés, des petits dés, je veux dire. Il ne faut pas que ça soit trop gros, mais il ne faut pas que ça soit haché non plus. Donc là, nous, on va couper le tartare. Voilà. Après, on n'aura plus qu'à l'assaisonner avec la sauce vierge, dresser et manger. Voilà. We'll be right back.
très bon. C'est top. C'est vrai que c'est sympa de retrouver les petits morceaux d'olive, tomates séchées. On est vraiment dans un tartare d'été, quoi. On est vraiment dans des notes estivales et c'est très bon, c'est gourmand. Plein de fraîcheur. Moi, de toute façon, j'étais conquise d'avance puisque j'adore le tartare. Donc, non, bel assaisonnement, c'est très bien. Le thon se marie bien avec ce type d'assaisonnement. Prochaine recette, ça sera quoi ? On va faire une préparation un peu originale. On va faire une papillote transparente avec un papier spécial, de filet de bar et de saumon avec de l'ail des ours et des petits légumes. D'accord.